Ciao les amis, alors aujourd'hui nous allons visiter le safari de Phou-Quoc, un grand parc de plus de 200 hectares avec les animaux en liberté. Familiale avec la team régale. Allez, avec les petits loulous qui sont là. Bon, on est des vrais gosses, nous aussi, hein. On le dit franchement. Hein, alors, papa dit qu'au départ, il avait dit non, finalement, je vais me caler au café, je vais travailler un peu. Ouais, et ben puis, finalement, voilà. Allez, on est parti. On ne sait pas où on va. On a un plan, mais on ne sait pas où on va. Donc, on y va. Je pense que les amis, vous aurez une belle vidéo. On a des grands enfants. Hein. Ouais. Donc c'est le kizou et les kizou, en fait, c'est les bébés animaux. Allez, regardez les amis, il y a des suricates, des bébés. Alors, Clément veut que je prenne celui-là en photo car il est trop mignon. Voilà. Salut mon gars. Comment ça va? Ça va bien? Mais... ça va mon gars? Papa qu'elle aime. Allez, je vous laisse les amis, je vais voir d'autres animaux. Moi je suis comme une enfant. Hein. C'est câlin. Tu veux un câlin? On vit en ville là Non, donc on a pas d'animaux à part nos minouches. Salut les copains. Regardez ça. Et là pareil, hein, y a des albinos. Des porcs épics albinos. Mais franchement. Oh c'est bien. Franchement, c'est trop bien. On a laissé la petite voiturette et on marche. Et on se trouve bien. Qu'il est beau celui-là. Vous avez vu comme il est beau? Il a une tête là, il est trop beau. Ça, c'en est un du Vietnam celui-là. Non, c'est pas un singe, je précise. Je suis pas un singe, vous savez, les amis, je parle. Tu parles de singe? Attendez, je réponds, hein. Malheureusement, désolé les amis, mais c'est la vérité. Hein. Entre les singes à queue rouge et les singes avec les coucougnettes bleues, ben, on est servi, hein. Hello. Hello. Wow. Wow. Ah, ça tombe. Ah, t'as vu, hein? Il tape fort sur le sol. Il y a plus de 1000. Regardez-moi, les gars. Tu donnes la banane? Non, la banane est petite, tu donnes ça? Alors, donne à celui-là? Oui? On bouge pas. Allez, vas-y, Clément. Voilà. Voilà. Moi, je vais donner une banane. Papa, il va donner aussi, hein, parce que papa, il donne pas sinon. Papa, il fait que filmer. Donc, une petite banane. Papa, c'est sur la caméra. C'est pas cher, papa, c'est la banane. C'est pas grave. Bon appétit mon grand. Ah,
Tu donnes une carotte? Je donne une carotte. Il y en a assez pour tout le monde. Tu es contente? Top. Viens à côté, Clément, viens à côté. Voilà. Voilà. Un grand chat. Ah, je connais une espèce d'animal qui n'est pas. C'est le tigre blanc. Lui, je pense qu'il est fatigué. Il marche doucement. Oh non, lui, tu vois, sa tête, c'est un vieux. Il est âgé, lui. Et le pire, c'est qu'il peut respirer sous l'eau. Enfin, pas respirer sous l'eau, mais genre, il peut aller longtemps. Vous avez vu la bestia, ses amis? Un hippopotame. Pour une fois que j'en vois un qui mange plus que moi. Et pour une fois qu'on en voit un dehors, à chaque fois ils sont dans l'eau et on voit à peine le haut de leur tête. À la barbenne, on n'a jamais pu en voir un comme ça. Ils mangent beaucoup. La cône, hein, matin, matin. Regarde-vous. Vous parlez de vous, ça doit leur gratter. Là, vous avez la bande des facochères. Quelle philosophie, Hakuna Matata. Oh, comme il se gratte. Ouais, là, il se gratte. Oh, lui, il s'éclate, hein. Alors, chérie, pas trop d'appréhension? Ben, j'ai fait la ferme au crocodile à Pierre-Latte, donc j'avais un peu la trouille, mais bon, ça va, là, ils sont derrière leur grille, donc j'ai l'habitude d'en voir derrière leur grille. Est-ce que vous voyez la taille de la tortue? Elle est juste énorme par rapport à monsieur qui s'en occupe. Papa Geek. Oui, Papa Geek. Je disais, autant on est déçu par les aquariums vietnamiens, autant pour l'instant. Sur les eaux, ils sont forts. Hein, ils sont très très forts sur les eaux. Les eaux, on connaît que celui-là. Mais pour l'instant, celui-là, ce safari-là, il dépasse nos. Alors, franchement, il dépasse largement nos attentes. Nos attentes. Ah ouais. Voilà. Et c'est propre, c'est clean, et c'est vachement. Après, on n'a pas vu les autres zoos, ni le zoo de Hanoï, ni le zoo de Saigon. Mais en tout cas, celui-là, c'est pas mal. Bon, je vous laisse, j'ai un macaque sur le feu. Les amis, je vais vous montrer quelque chose de vachement stylé. Vous voyez? Les toilettes. Sérieusement, mais toi tu remarques que des trucs. Allez, là on va voir les oiseaux. Regardez ça. Les oies cendrées. Oh. You're beautiful, mademoiselle. Un pélican. Peut-être que je me trompe. Hein. Allez les amis, on continue avec la volière, comme je vous ai dit. Oh, c'est trop beau. Oh, les chauves. Hein, Mathieu? Alors Clément, tu entends les oiseaux, ils sont tous dans les arbres. T'as des petits verres. Alors Mathieu,
C'est bien ou pas le safari? C'est dommage. Franchement, tu recommandes ça à nos copains? Tu recommandes ça à nos copains qu'ils aillent voir? Je recommande. Ah bah. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.